Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. La splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté brillent dans son temple saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. C'est notre rendez-vous. Je sais qu'il est attendu par beaucoup de téléspectateurs. La splendeur et l'éclat brillent dans son temple saint. Cet après-midi, nous avions la belle célébration de la vénération de la couronne. Oui, la beauté, la splendeur, l'éclat, la puissance nous appellent en tout cas à beaucoup d'humilité face à la grandeur de Dieu. Alors au début de l'Eucharistie, pour entrer dans le mystère, pour entrer dans le Temple Saint, demandons la grâce du pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donnés en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensé. Car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps,
et celui qui doit venir arrivera. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé.
Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fidélité à Dieu, voilà notre combat spirituel. Quand tout va bien, certes, la foi est là. Mais parfois, elle est au ralenti. Au cœur des épreuves, on crie. On crie vers Dieu. Mais on a du mal à s'abandonner. Parce que nous voulons nous en sortir tout seuls. L'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de nous dire « Celui qui est juste à mes yeux, par la foi, vivra. » Ainsi, notre prière de ce soir est de supplier le Seigneur de faire grandir la foi et de fortifier notre fidélité dans un monde qui nous encourage plutôt à l'infidélité. Il nous faut persévérer et pour cela, il nous faut travailler notre volonté qui est blessée. Nous voulons, mais nous ne voulons pas vraiment. Pour le combat spirituel, nous avons besoin d'une décision spirituelle qui engage tout notre être. Nous avons aussi besoin de motivation. Ou si vous voulez, comme les ânes, on devrait nous mettre une carotte. Ben oui, c'est comme ça que les ânes avancent. On leur met une carotte et ils avancent. Ils n'arrivent pas à manger la carotte, mais ils avancent. Je crois que nous avons à regarder un peu plus loin que le bout de notre nez. Qu'est-ce qui nous motive? C'est d'abord notre intimité avec le Seigneur. Ce qui nous motive, c'est son amitié. Il ne peut pas nous abandonner. Alors à l'école du Seigneur, nous nous offrons au Père qui sera toujours avec nous. Il est important de faire mémoire de sa présence en nos vies, de voir comment le Seigneur nous accompagne sur ce chemin de sainteté qu'il nous a tracé. Et puis ce qui nous motive, c'est le terminus du chemin. Non pas les auberges que l'on voit le long du chemin. Elles sont là pour nous reposer de temps en temps, pour reprendre des forces. Par exemple, une retraite spirituelle, une petite récollection. Non, ce qui nous motive, c'est l'ultime demeure, là où le Seigneur nous attend. En disant cela, je vous exhorte à vous engager en même temps dans ce pèlerinage terrestre, même si c'est Dieu qui fait tout. Telle la semence qui germe, la graine qui germe et grandit, nuit et jour, ou cette petite graine de moutarde, toute petite, qui pourra même abriter les oiseaux du ciel quand elle aura grandi. Cet engagement
c'est la transformation de ce monde en royaume d'amour, en nous donnant à notre prochain, en étant des artisans de paix et de justice. Le psalmiste nous a tracé un chemin. Fais confiance au Seigneur. Agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. N'hésitez pas à reprendre ce psaume ce soir avant de vous endormir dans les bras du Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont...
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Élise et Robert, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui,
avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ensemble approchez du Seigneur, resplendissez de sa lumière, et sur votre visage, il n'y aura plus d'ombre. Prions le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Une belle fête demain pour chacun et chacune, cette fête de la présentation de Jésus au Temple. Avec le vieillard Siméon, nous pourrons dire « Mes yeux ont vu le salut ». Et là, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris. Nous lui confions nos intentions, toutes celles aussi que les téléspectateurs de KTO m'envoient. Alma.